Bonjour à tous, donc un nouvel épisode aujourd'hui. Gary va prendre le volant de la F458 sur le circuit du Grand Sambuc à Aix-en-Provence. Bonjour Gary. Salut Gérald. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc dis-nous un petit peu aujourd'hui ce que tu nous prépares. Eh bien, écoute, on va tester la toute dernière Ferrari F458 Italia sur le circuit du Grand Sambuc. Donc 570 chevaux, toute la puissance est transmise sur les deux roues arrière. Une boîte robotisée séquentielle de 7 rapports avec des changements de rapport en 20 millisecondes. Super. Qui est aussi rapide que les boîtes de vitesse des Formule 1. On est parti? Je te laisse, c'est allez, parti. Donc apparemment une voiture exceptionnelle, hein. D'après ce qu'il dit, on va voir. Énorme comme voiture. La ligne droite, on va se faire plaisir. Renoncement de la vitesse. 190. Gros freinage. Et là, tu vois, on n'est même pas dans la BS. Donc, je pense qu'on peut encore retarder le freinage de moins 10 mètres sans problème. Fait de l'acheter, je crois. Top. Énormissime hein, comme voiture. Alors on sent vraiment la puissance des 570 chevaux et les changements de rapport extrêmement rapides nous permettent de changer de vitesse et de pas se rendre compte qu'on a changé de vitesse. Du coup, on a l'impression d'avoir une puissance linéaire et continue et on a l'impression que le moteur peut monter jusqu'à 20 000 tours minute. Bon, c'est pas le cas, mais c'est vraiment, vraiment énorme. Super Gary, grave. Je pense qu'on va souligner le fait qu'on va remercier déjà Cap Maîtrise pour ses pilotes et Dreamcar pour son auto. Voilà, exactement. Merci à Dreamcar, merci à Cap Maîtrise et puis merci à Ferrari aussi. Merci surtout à Ferrari. Surtout à Ferrari. À bientôt. Salut Gérald.